Coucou tout le monde et bienvenue devant l'épisode 2 du deuxième DLC de Little Nightmares, on va y arriver. Du coup, j'ai tourné un petit peu, il n'y a rien que je puisse saisir pour monter et à tous les coups, faut attraper le petit mignon et le balancer là. Je pense que c'est la seule solution à faire. Au fait, j'ai même pas fait gaffe s'il n'y avait pas des problèmes au niveau de la vidéo. D'ailleurs, je crois que je remarque un truc. Attendez. Ok, alors ce sera peut-être mieux comme ça, il y avait des bandes noires sur les côtés, donc il y aura sûrement ça sur le premier épisode, mais c'est pas grave. Hein. Je suis sûre que vous l'avez même pas remarqué. Du coup, à part essayer de jouer au balancier comme ça, je pense qu'il faut réussir à choper ce machin là. Mais... c'est insupportable, hein. Là, je l'ai. Non, je l'ai pas. Là, je l'ai, là. Oh, c'est pas vrai. Ah, je suis sûre que j'ai failli l'attraper, là. Il a bougé bizarrement. C'est bon. Maintenant, c'est mon pote. Donc, tu vas venir avec moi. En fait, il fallait juste que je persévère et que j'arrive à l'attraper. Donc, est-ce que je peux le lancer, là? Ok. Du coup... Alors, est-ce que je peux pas... Ça fait quoi si je le lance là? Ça ouvre la porte définitivement? Ouais, je pense. Du coup, je peux prendre ça. Et avec ça, je pourrais aller chercher la bouteille. Pourquoi lui, il pousse? Il veut pas qu'on le mette? Saute. Voilà. Donc je vois un petit peu où je vais quand même. Oups là. Non mais... Allez. Il y a des petits dessins que je regarderai juste après. Ok. Oh, est-ce que je peux la casser la bouteille maintenant? Hop. Ouais bon. Peut-être que j'aille libérer l'autre qui est derrière là parce que... Je sais même pas... le pauvre. Est-ce que je peux tirer ça pour le libérer? Ok, ils sont là tous les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est en attraper un. Et lancer là-dessus. Ça fait quoi? Ah, peut-être qu'avec ça, j'aurai plus d'élan. Ouais, c'est ça. Ok, alors toi, tu n'auras pas peur, parce que tu vas devenir mon ami. Je l'ai pas chopé, je sais pas où il est. C'est pas grave. On va faire ça. Cette fois, c'est nous. Oh, faire comme l'autre, faut l'attraper aussi. C'est bon. Maintenant, j'en ai trois. Je sais pas trop ce que je vais faire avec trois mignons, mais... Hop. Ah, je peux peut-être pousser la porte en bois. Vous venez? Non, je peux pas pousser la porte en bois. Peut-être qu'on peut pousser ça, par contre. À 3. Mais non, attrape pas ça. Je peux pas... Ah, si. Ils vont m'aider. Là, on va réussir à le monter là-haut. Ouais, on galère un peu, mais c'est faisable. Allez. Ok. Et maintenant qu'on a ça là, on va pouvoir grimper ici, je pense. Non, non, arrête-toi. Reviens. Je
J'ai eu des messages. Utilisation élevée du processeur. Ouais, bah, se trouve, vous avez des ralentissements. Je suis désolée. Et mon processeur, je peux pas le changer. Je pourrais pas le changer avant bien longtemps parce que. Bon bah, j'ai pas de boulot quoi, je fais mes études donc c'est compliqué. Est-ce que je peux sortir là et. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis jamais venue ici? Ok, bah je vais pouvoir ouvrir la porte. Ok, avant d'y aller. Ouais, on va le faire tomber, ça va péter la porte, je pense. Venez les gars. Hop là. Je sais pas trop où le pied du bas ils le tiennent, mais ils le tiennent. J'espère que vous avez pas trop de ralentissement et que tout va bien. Bon, on verra bien. Ok. Et là, je fais quoi? Je les laisse là? Ils vont rester là? Ouais, je vais aller les chercher. Ouais, c'est ça, ils ont l'air de rester là. Ouais, il faudrait que je monte là-haut aussi pour voir ce qu'il y a. Quoique non, je suis déjà passée là-haut, justement. Hop! Donc là, je descends en toute sécurité. Je récupère mes petits mignons. Et du coup, je suppose que comme ils vont voir que les autres ils bossent au charbon, ils vont faire la même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais à quoi ça va servir? Il y aura plus de charbon, du coup ça va faire marcher les machines plus vite, probablement. Je suppose que c'est un rapport avec ce truc à gauche, mais j'ai envie de... C'était fermé ça avant? Je vais sauver un petit mignon de plus. Allez, hop là. Ok. Et son pote, je peux le faire sortir ou pas? Donc ça m'en fait encore deux de plus que je vais amener au charbon. Je sais pas à quoi ça sert tout ce que je fais. Hein. Bon, en tout cas, ça fait marcher la machine. Et là, on va aller monter là-haut, on va aller voir ce qui se passe. Oups. Est-ce que je peux pas un petit peu me... Pas me spoil, mais... Non, je peux pas voir. J'ai tout le temps peur qu'il y ait l'autre qui revienne, là. Quoique après, l'autre, il va être occupé avec Six, donc il va peut-être me foutre la paix, non? L'espoir fait vivre, comme on dit. Ok, alors... Il faut que j'aille chercher un petit. Il doit y en avoir un là-dedans. J'aime pas ce délire de pieds qui craquent. Oh, je suis sûre qu'il va arriver, je vais avoir peur et je vais crier. Ouais, mais là il va m'entendre. Je suis coincée là? Comment je fais?
pense qu'il y a un petit mignon quelque part. Le problème, c'est que là, il va m'entendre. Ou alors, il est reparti, genre il a laissé tomber. J'ai peur. Oh là là. Ok. Je suis vraiment pas sereine. Hein. Il fait tellement sombre. Il est là, hein. Faut que je trouve un petit mignon. Oh merde. J'existe pas. J'en ai marre. Bon, je suis revenue ici. Il me faut à tout prix des petits mignons. J'ai pu passer à côté de lui sans qu'il me remarque, donc déjà je sais que c'est possible. Mais après, faut que je voie où passer, quoi. Tu veux pas aller t'occuper de Six plutôt? Je vois tellement rien en plus avec cette lampe. Bon, je vais suivre le chemin qui est balisé par les charbons. Hein. J'ai cru entendre un bruit. Vous devez voir un petit mignon pas loin. Mais où? That is the question, comme on dit. Là, je peux pas... Je peux, si je peux là. Eh, hey, hey, tu t'éloignes. Même pas tu me... Hein, bon. Oh, qu'est-ce qui me fait peur celui-là? D'en profiter qu'il soit pas là pour regarder ce qu'il y a dans cette pièce, mais on voit vraiment vraiment rien. Alors sur YouTube ça doit être encore pire. Pas de petit mignon ici. Il va être là juste devant moi. Ouais, mais en même temps ça c'est dégueulasse ça. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Après, je peux pas activer ça quand même, là. J'ai des boulons. Ok. Et ça fait quoi si je vais là-dedans? Y'a rien. Mais j'ai des boulons. Enfin, des... C'est pas des boulons, c'est des... Comment ça s'appelle, ça? Le machin... Le disjoncteur, là. Ok, donc il y en a un qui est mort, il m'en faut un nouveau, c'est ça? Ok, bon. Au moins, je sais ce que je cherche. Mais où est-ce que c'est? Ça, c'est une autre affaire.
Je suis super silencieuse, comme s'il pouvait m'entendre en vrai. Mais non, non, il m'entend pas, hein, mais... il me fait stresser. Je l'aime pas. Faut que je trouve un fusible, c'est ça le nom. Faut que je trouve un fusible, mais où est-ce qu'il y en a un? Là-bas où ça faisait un peu de lumière, non? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux grimper, là? Ouais, je peux grimper, là. Ok, alors... Allez voir ce qu'il y a par là. Il m'a entendu. Il m'a juste entendu, mais il sait pas où je suis, je pense. C'est bon. Ok, donc pour le moment, il peut rien. Geronimo. Aïe, aïe, aïe. Il est juste là. Je sais pas si vous le voyez, moi je distingue son espèce de silhouette, là. C'est trop tard, c'est trop tard. Il va arriver ici, c'est ça. Faut que je me cache. Je pense que je suis dans la merde. Non, je peux pas grimper là. Ça, c'est pas des fusibles, ça. Faut monter là-haut. La question est comment ? Je peux y aller comme ça. Non. Bon, déjà, j'ai l'impression que on est un peu plus en sécurité. Oh, il est en bas. Il vient même pas ici nous chercher. Donc, il sait même pas qu'on est là. Par contre, comment aller là-haut pour sortir par là-bas? J'en ai absolument aucune idée. Ah, il y a un chausson. Je vais lui lancer un chausson dessus. Ça va le rendre fou. Est-ce que je peux le faire sortir, ce truc-là? Non. Bon, après, est-ce que je peux quand même me servir de ce point-là? Bon, je vois rien du tout d'ici. Je suis au bon endroit. Il reste à savoir comment grimper là-haut. Et ça... Sur le côté, comme une échelle. Là, il y a un... Attends, je peux le saisir. Les petites traces de main. Faut que je note, qu'il faut que je me souvienne. Les petites traces de main. D'accord, donc j'ai ça et après, je fais quoi? Je le mets où? Il n'y a pas une trace au sol qui me dit où mettre la chaise? Pas ici en tout cas. Là. Non, pas ici non plus. Lâche, c'est bon, tout va bien. Enfin non, tout va mal, mais... ça peut me servir pour m'agripper au poignet des portes. Mais ça fait quoi si je m'agrippe à la poignée? Non, ça sert à rien. Et ici, là. C'est à peu près la même hauteur, hein. Je vois pas ce que ça change par rapport à ça. Mais non, attrape pas les canettes. Voilà, je dois encore louper quelque chose avec mes petits yeux, là. Peut-être derrière la porte, j'ai pas vu, mais il y a peut-être moyen de grimper. On va refermer ça.
sais pas si vous avez... Vous voyez là, ici, il y a une petite main là, sur le coin. C'est comme ça que j'ai vu qu'on pouvait y aller. Du coup, peut-être en mettant la chaise ici. Je vois pas du tout quoi faire. Non, c'est pas là. Ici, faire tomber la pelle. Mais ça, je peux y aller par là, ça. J'ai absolument pas besoin de la chaise. C'est quand même incroyable ce talent que j'ai pour toujours me coincer dans ce jeu. Que j'ai pas essayé, c'est si celui-là je peux l'ouvrir. Est-ce que je peux ouvrir les autres? Ah, et là il y a que dalle. Du coup, dans celui-là. Ah, mais voilà. En même temps, moi j'ai joué bête et con, comme on dit. J'ai vu les petites mains là, je me suis dit, il y a que celui-là qu'on peut ouvrir. Non, tombe pas la chaise. Je sais pas ce que ça fait si la chaise elle tombe. Pas grave, on monte. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire avec ce truc? Non, c'est juste de la déco. Ah. Ok, donc on va aller dans le Toyo. Enfin, ouais. Et on va aller chercher, je sais pas, un fusible peut-être. Wow. Ok. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Ah, il est là le fusible. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Dans notre quête au fusible. Je suppose qu'on va devoir tirer les tiroirs pour aller le chercher. Du coup, eh bien, j'espère que l'épisode vous aura plu. Il va être plus court peut-être que l'autre, j'en sais rien. Là, je suis à peu près 25 minutes. Un peu moins peut-être. Mais du coup voilà, moi j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce en l'air et le petit commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !